Et pour commencer, Alexandra, une vue de Paris. Alors, c'est nuageux, mais magnifique. Exactement, très belle vue, regardez, du toit de TF1 avec le soleil qui se lève. Ça fait du bien puisqu'on ne l'avait pas vu depuis quelques jours. Alors, au programme aujourd'hui, un temps assez nuageux tout de même sur les régions du Nord. Mais globalement, c'est le retour au calme avec le retour de l'anticyclone sur les régions du Sud. Mais malgré tout, une nouvelle perturbation arrive par le Nord-Ouest, mais elle va en quelque sorte se casser le nez, cette perturbation. Justement, on retrouve donc un temps bien nuageux, principalement sur la pointe bretonne, avec l'arrivée, je vous le disais, de cette nouvelle perturbation. On a les résidus de la perturbation d'hier, quelques averses résiduelles, principalement de la Normandie en direction de l'Île-de-France, ainsi qu'en direction de l'est du pays. Un ciel nuageux également dans le sud-ouest, avec les nuages qui auront d'ailleurs du mal à se dissiper, et quelques petites averses possibles entre les deux. Dans l'après-midi, la perturbation progresse jusqu'à la pointe du Cotentin, mais vous le voyez, elle n'ira pas plus loin. Elle est vraiment bloquée par les hautes pressions, donc un ciel nuageux près des côtes de la Manche, quelques petites averses sur les frontières du Nord, et puis plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du beau temps avec le soleil qui est bel et bien au rendez-vous sur les régions méridionales. Les températures, Alexandra, ça va ressembler à quoi? Alors, température un petit peu en baisse ce matin, c'est un petit peu frais du côté de Rouen, notamment avec seulement 12 degrés ce matin, 16 degrés à Paris et localement jusqu'à 23 degrés sur l'île de Beauté. Et dans l'après-midi, un vrai contraste selon les régions. Si vous êtes près des côtes de la Manche, la fraîcheur est au rendez-vous avec seulement 19 degrés à Brest ou encore du côté de Cherbourg. En revanche, la chaleur est au rendez-vous dans le sud avec en moyenne 29 degrés pour nos amis toulousains et localement jusqu'à 32 degrés sous le soleil de Marseille ou encore de Nîmes. Avec